Salut tout le monde, c'est Eldezo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce glitch pour pouvoir mettre du nacré sur du mat et aussi pouvoir mettre une couleur sur le chromé. Et donc la couleur que vous voyez juste là, c'est tout simplement la couleur de mon crew. Donc si vous êtes dans la 500K L2O, vous pourrez l'avoir tout simplement en choisissant la couleur de crew. Et donc on va commencer par le chromé. Donc tout simplement, vous allez mettre du chromé sur votre voiture. Puis une fois que vous avez mis votre chromé, vous allez dans la peinture de crew et vous pourrez voir que vous pouvez mettre la peinture de crew par-dessus le chromé. Ça rend franchement plutôt pas mal, mais là moi ma couleur elle était vachement vive. Du coup c'est assez moyen. Je vous montrerai à la fin de la vidéo avec du violet que j'avais avant en couleur de crew. Et donc pour la couleur mate, vous allez tout simplement prendre la couleur mate directement. Une fois que vous avez la couleur mate, moi déjà je vous conseille de prendre du gris parce que ça rend franchement plutôt pas mal. Vous vous placez sur les couleurs métallisées, vous ne validez rien. Puis vous appuyez trois fois sur rond pour sortir. Vous allez dans les plaques et vous achetez rapidement une autre plaque. Donc c'est facile, hein, vous appuyez juste sur la flèche du haut ou la flèche du bas, puis vous appuyez sur croix. Ensuite vous retournez dans les peintures, vous allez sur le nacré et vous pourrez voir que vous pourrez mettre du nacré sur du mat. Et comme vous pouvez le voir là, ça rend franchement plutôt pas mal. Et avec du gris, ça fait bien ressortir la couleur. Mais ça reste aussi bien sobre. Du coup, ça rend franchement plutôt pas mal. Avec par exemple du orange, ça rend un petit peu en or. Avec du jaune, ça donne un or bien vif. Mais moi, je vais choisir le verlime. Et franchement, là, ça claque. D'après moi, bien sûr. Et pour tous ceux d'ailleurs qui n'ont pas le verlime, je vous invite à aller voir dans ma description. Je vais y mettre le lien pour mon glitch où on peut débloquer le verlime facilement et rapidement. Et donc voilà, moi je vais juste vous montrer maintenant ma voiture chromée violet. Donc la voici. Et puis moi je vais vous laisser. Donc bon game. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde.